Franck, t'es vraiment trop beau, t'es vraiment un dieu et tout. C'est quoi ton problème? Calme-toi. Oui, c'est quoi ton problème? Ouais, mais avec des embrouilles, des mâles entre guillemets, genre. Mais c'est quoi ton problème? T'es beau, t'es machin. C'est quoi? Ma souris les bugs. Ma souris les bugs. Ma souris les bugs. Je peux plus tourner. Je peux plus tourner. Putain, c'est maintenant. Oh, touche pas. Oh, touche pas. Naki, Wendy et Saxi d'être avec nous pour ce Royal Rumble, le premier de la saison 3. Bienvenue à vous. Déjà, Rocky, comment tu vas? En toute honnêteté ou genre? Ouais. Non, mais la vérité. Bah, ça va, mais vite fait. Mais t'as pas le casque de d'habitude là, non? Ouais, non, j'ai pas le casque d'habitude, mais. Ouais, attends. Ça sent... Ah, tu veux mettre le casque d'habitude? J'ai l'impression qu'il a pris le casque de c'est un autre gars. Quoi. Alors, déjà, ça. Alors, attends, lui, il est en train de me tailler. Mais déjà, ça va pas bien à cause de lui. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Ah non, il va encore. Tout le temps, quand je suis dans un Royal Rumble, il y a lui. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça. Il a pas la même voix que d'habitude. Non, d'habitude il a une voix grave, bien sensuelle. Ou alors il est enrhumé. Je suis à demi excité là. D'habitude tu deviens gay là. Ah bah y'a Broken. Je transpire. Il est même pas fait en one. Ah il l'a. Attends, il l'a là. On l'a d'habitude en mode one. Oh Barry White. Yo, what's up tout le monde, c'est Rocky Brock, ça va? Ah, on le reconnaît. Rocky Brock, c'est avec nous. Il est en forme. Aki, tu es aussi avec nous. Aki, comment tu vas toi? Bon, toi t'es tous les jours sur la TV avec du Rocket League. Par contre, d'ailleurs, j'en profite. Mika, Gota, Broken, Aki, vu qu'on est tous les quatre réunis, pour rappeler que vendredi, il y a un live particulier sur cette même chaîne en direct du cinéma pour vous faire vivre une vraie soirée. La soirée qui s'appelle Cinéman. Donc, les man qui s'affrontent sur plusieurs étapes pour tout simplement avoir le vainqueur parmi vous tous. Donc, c'est vendredi. Merci pour ce rappel, Doc, c'est dingue. Et c'est complet à ce qui paraît. Avec nous, il y a Wendy aussi. Salut Wendy. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah, ça va. Bon, ce groupe-là, tu le connais. Hein. C'est des gens avec qui t'as énormément joué. Tu vas pas te laisser faire sur ce Royal Rumble, j'espère. Absolument pas. Avec le monsieur à chaussures, on avait prévu des trucs pour Wendy là, putain. Quoi? Attendez, pourquoi c'est ma fête déjà là? C'est quoi déjà le délire? Dans mon kiff. Oh putain. Wendy, s'il te plaît, on est en émission. Il y a pratiquement 5000 personnes là actuellement. Mais par contre, c'était archi pas moi en fait. Tu diras plus tard lorsqu'on va spawn, ok? Dans mon kiff. Mais arrête, putain. C'est quoi super chiant! Oh là 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 là! Mon dieu, mais il est à nous! Oh, mais appelle-moi! Oh là là, mais ça, elle est insupportable! Elle est insupportable! Ok! Ah, c'est ma fête! Il y a Saxi aussi avec nous! Attends! Salut. Attends, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Salut à nous! Mais ferme ta gueule, toi! Mais comment tu parles? Comment tu parles à Gotha? Mais il les a tous, c'est incroyable! Mais comment il ose parler à Gotha? Saxi, c'est ta première un lundi soir et directement. Putain, mais Saxi, je me suis battu pour que tu sois là! Mais ferme ta gueule, toi! Mais arrête! En fait, faut pas lui donner ce joujou entre les mains. On vous l'a dit ce soir, c'est un groupe particulier. Les hostilités vont pas tarder à démarrer, mais avant tout ça, on va se rappeler les règles. Bienvenue dans le Royal Rumble. 8 candidats s'affrontent sur 6 spawns de 5 minutes avec comme unique objectif marquer un maximum de points pour devenir le grand champion de la soirée. Pour marquer les points, il faudra faire attention à plusieurs choses. Premièrement, le classement. Chaque joueur sera récompensé selon son classement final avec un barème de points défini. Allant de 7 points pour le deuxième à 1 point pour le dernier. Le premier de la manche, quant à lui, remporte 10 points. Deuxièmement, les kills. Eh bah oui, parce que chaque kill rapportera 1 point supplémentaire. Et pour finir, les bonus. En effet, une roulette avec des défis sera lancée en début de chaque manche. En accomplissant des kills avec le défi donné, vous obtiendrez souvent des points supplémentaires. Mais attention, vous pouvez aussi en perdre. Parce que oui, la roulette vous réserve de multiples surprises. Un dernier détail, mais pas des moindres. Si vous êtes encore en vie à la fin du timer, vous ne marquez aucun point. Alors qu'on peut pas trop, hein. Ah oui. Aussi, le perdant de chaque manche aura l'honneur de choisir le spawn de la manche suivante.
Alors bref, bonne chance à tous et surtout que le meilleur gagne. À votre avis, qui est le favori ce soir? C'est vrai que Lucas, en plus la dernière fois on avait Mel pour te stopper, là on a personne en fait. Genre, Il y a Wendy. Ouais, je disais on a personne quoi. C'est incroyable. Franchement, j'ai mais plus peur va, de Mel que de Wendy quoi. Non, attendez, j'ai envie de lui mettre un peu la pression, mais je pense que Saxy. Le niveau. Saxy traîne. Ouais, Saxy il est bon. Je sais pas trop, non, je suis pas bon. Regarde comme il est tout timide, ça fait trop plaisir. T'es tout timide. Alors que lui aussi c'est un gros baiser. Ce qui est trop bien, c'est qu'Yann il met à l'aise les copains. Quoi. Ah, mais il profite de moi là, il abuse de moi. Te laisse pas faire ça, te laisse pas faire. Attends. De toute façon, j'ai une vengeance contre lui là. Ouais, pourquoi? Ouais, mais t'inquiète. Bah, parce que en fait. Oh, t'aurais pas dû me lancer. Non, parce qu'en fait, je l'ai tué à la Palm Cup et il a eu une réaction très très particulière lorsque je l'ai tué. Il a vraiment crié mon nom et bah, j'en ai fait une chanson. Il vient sur moi, on construit ouais. Et là, il se rend compte que c'est moi qui le tue. Et crie mon nom, salope, s'il te plaît. Prends bien ta respiration. Mais je t'imagine chez toi. Non mais la gueule que t'as, c'est incroyable. Est-ce que tu veux nous rappeler ton âge? C'est pour ça que je le dis pas. C'est un peu moins que ça en fait. Pause, il manque quelqu'un dans la queue depuis tout à l'heure. Ah, c'est bien. C'est pas pour qu'il soit un hasard. Moi je suis dedans. Donc on va viser personne. On va juste attendre que cette dernière personne le fasse de lui-même. Sans viser qui que ce soit. Broken. Quoi? Mais ouais, non. C'est quelqu'un qui arrive jamais en retard. Non, tout le temps, dis-moi. Ah bah bizarrement, il vient d'arriver dans la game. Ok, vous savez quoi? On va. Alors. Attends, pause. Soit la personne se dénonce, soit on fait juste. Non, c'est rien passé. Non, non, je vais vous dire un truc. À qui ma poche? Je sais pas comment on join la game, tu sais. Je lui ai dit non, je ne sais pas, mais bon, j'ai tenté sur tempête de glace. Et je pense qu'il m'a pas cru. Eh, vraiment, soyez là vendredi, hein, parce que le cinéma. Mais vraiment, j'ai la preuve en poche. Hein. Il va s'asseoir dans la salle, Broken, il va pas comprendre. Est-ce que tout le monde a l'adresse pour vendredi? Parce que moi, ça me fait peur, ces conneries. Ils arrivent pas à rentrer dans une game, quoi. La roulette, on la découvre, on la fait tourner. Et quelle va être notre petite surprise sur cette première? C'est tellement cheap quand je le fais chez moi, la roulette. Ouais, ça, c'est du bon codage. Ah, mais elle est pas délette, cette arme? Si. C'est les armes à rafale sont délettes. Ah, on n'est pas à jour chez Ah, moi, c'est moins cheap que ça, en fait. Elles ont été délettes quand cette semaine? Non, il y a un moment quand même. Moi je joue plus trop en ce moment, j'avoue que j'ai pas prévenu les équipes. Si derrière Jericho et tout ça l'ont pas fait, on est pas au courant nous. Hein. C'est quoi? Pas de construction? Oh, c'est pas mal ça. 200 de construit maximum cumulé. Sinon on peut parler de Saxy. Oui. Qu'est-ce que t'as à toi à nous dire sur lui? Qu'est-ce que t'as encore à mal? Ah non. Mais présente-le Saxy, pour ceux qui le connaissent pas, qui le découvrent la première fois, parce que c'est vrai que vous avez une affinité particulière. Saxy, ça fait pas très très longtemps l'air de rien qu'on joue ensemble, on a tout de suite accroché, même personnalité et tout. Il est très. Là on sent qu'il est un petit peu timide, ça c'est normal, c'est sa première. Mais je suis vraiment très content. Soit là. Bah attention, il est fort possible qu'avant la fin de la soirée, certaines amitiés soient brisées. Tu sais que Wendy en plus, ça t'en va un petit peu à nous l'a dit avec eux. Parce qu'en fait, genre, Aki a dit à Yanou, s'il voulait être man, il n'y avait pas de problème, machin, tu vois. Ouais. Et à un moment, Wendy a demandé pourquoi moi je peux pas être man. Parce qu'elle chie sur les man. Ouais, elle chie sur les man. Ça, on a des preuves vidéo et tout. Alors genre. Ça. T'en as beaucoup en plus sur le ça vient sur Broken. J'ai jamais Alors, ça, je te dis. Sur Carbone. Sur Carbone. Carbone, c'est pas grave. Alors, j'ai jamais dit ça. Non, pourtant, je rentre tout le temps dans le TS. Salut Wendy, la plus jolie et tout. Elle après elle dit ouais, mais je sais que tu mytho. C'est vraiment trop beau, t'es vraiment un dieu et tout. C'est quoi ton problème? Calme-toi. Oui, c'est quoi ton problème? Ouais, t'as vu, en plus, les embrouilles des mâles entre guillemets, genre, mais c'est quoi ton problème? T'es beau, t'es machin, c'est quoi? Broky, on va où? On va à Snobby. Oh la gueule, c'est où ça? Snobby, c'est où déjà? Oh, c'est direct. Bah, c'est au bout, c'est Paradise, à côté de Paradise, les gars. C'est parti, on va tous à Snobby. Mais attends, mais en plus, il y a le brouillard et tout, ça va être trop. C'est un forêt en fait, je sais même pas si ça m'approche. Les gars, moi je vais à la villa au fond s'il y a des gens en bas. Wendy, tu peux venir si tu veux. Saxy, je suis en blanc. Mais pourquoi moi? T'es en blanc? Parce que. J'arrive pas à venir, Gotha. Oh, mais avec le brouillard, ça donne une intensité de ouf. Non, par contre, le brouillard, oh là là, c'est intensif ça, toi, qui donne. Ça m'excite. Je vais le défoncer. Allo? Non, mais vas-y, non, j'ai loupé mon spawn. Venons, si tu pars. Bon, alors là. Allez, bravo à toi qui viens de me chasser. Non. Mais Saxy, il s'est passé quoi? Ah, j'avais pas d'arme. Et pourquoi tu es venu? Parce qu'il y avait une air juste à côté de toi. Bah, elle était loin quand même, là. T'es rentré dans le trou déjà fait là. Par contre, Saxy, la place du 8ème ce soir, normalement, c'est Yanou. Hein. On a dit qu'on se battait entre Wendy et moi, quoi. Jérémy, tu me fous la honte là. Bah, la violence. Non, mais Saxy, c'est prévu, c'est parce qu'il voulait choisir le prochain spawn. Ah, bien, ouais. C'est là où il est malin. C'est 200 de chaque ou 200 en tout? En tout. Oh putain, j'avais zappé ça. Ah, bah oui. Wow. Broky, tu l'as vu celle-là ou pas? Tu m'as refait le dégradé, frère. Pierre, vous avez vu, il est en train de jouer sa vie. Hein. Filto sniper au bout de la carte. Comment ça, carte, je joue ma vie? T'es dans un fort, enculé. T'es bien dans le fort? C'est Broky dans le fort? C'est Broky. Okay. Il a dit, tu joues ta vie, c'est enculé. Ah, tout le monde sait que c'est moi là. Oh. Non, on a le son de. Allo? Tout le monde l'entend. Oh, mais ça va, TS l'entend, ça va alors. Allo? Allo? Non, s'il vous plaît, la régie. Je suis en pression, j'entends le son de la régie, je suis en pression. Ça la régie, qu'est-ce que vous arrivez?
Et en fait, j'entends votre son, j'entends son tête. Ah ouais? On entend tout. Comment ça? Polo, tu check ça? Polo, t'es. Y'a Polo sur le coup, les gars. J'ai plus rien. Putain, Coco, t'es un forceur. J'ai tout le monde sur la gueule. J'ai raison, tout le monde autour de moi. Mais Polo, c'est vraiment plus que cet S, c'est incroyable. Mais non, mais c'est Yann. Ah, c'est perturbant. Il pense que c'est la régie, c'est trop mignon. C'est trop perturbant. Ah, c'est Yann. Oui, c'est lui qui met les bruits, qui les gens qui bougent et tout. Oh, t'as un diamant. Spam, Yann, spam, spam. Nous, on connaît les bruits, nous. Non, non, mais j'ai super peur là. Ah, mais c'est le pire truc que j'ai voir. Dites-vous que j'ai subi ça dans Tilted avec Dwag, hein. Avec trois équipes autour de nous. Oh, freeze, freeze, me tue pas, s'il vous plaît. Soyez fiers. Non, bah alors, fumez. Fumez. Non, les gars, s'il vous plaît. Ma souris, les bugs. Ma souris, les bugs, je peux plus tourner. Putain, c'est maintenant. Quoi? Oh, Breakbeat. Mais je croyais que tu buguais, j'ai pas voulu te finir. Quel mytho. J'aurais pu le tuer à la PM 10 fois. Oh, Dwagby, je t'ai mis un peu. Bien joué, Yann, t'es meilleur. J'ai toujours cru en toi, Yann. Je pouvais pas tourner, c'est un truc de ouf. Mais moi, en fait, je sais pas depuis tout à l'heure si c'est les bruits de Yannou ou si c'est un vrai mec qui marche à côté de moi. Je sais pas. Quel enculé. Arrête, mon frérot. Tu vas l'attresser, l'enculé. Le pire, c'est qu'il joue en même temps de faire ça. On vous explique, ceux qui sont sur la vidéo, que vous comprenez peut-être pas. Oh non, il y a quelqu'un à mourir dans le vide. En gros, Yann peut envoyer des sons. Il a préenregistré des sons de porc, de balles de pompe et tout. Et il les envoie pour déstabiliser tout le monde. Mais regarde, du coup, il joue pas. Mais si, j'ai joué en même temps. Franchement, j'ai joué en même temps. Ah ouais, ça a été un fric, du coup. Bah, on t'a vu bouger, hein. C'était vraiment difficile. Mais quoi. J'avais qu'un pompe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas mettre de pression, mais il reste une minute, hein, les gars, vous êtes trois. Ah ouais, faites gaffe, hein. Arrête, j'ai peur. Oh, il s'est pris, Coco, il tue. T'as 0 points, Coco. 200 constructions. T'avais plus de 200 constructions. Non, j'ai pas de plus de 200. Brox, t'es où? T'avais plus de 200. Mais c'est, j'ai dû les ramasser, mais je les ai pas utilisés. Sur le fort, Brox. Ah ouais, si tu les ramasses, c'est non, mais si un mec avait ça et que moi j'avais des constructions de base, abusez pas, genre. Mais non, mais gros, je sais pas si c'est des vrais bruits ou pas. Par contre, hey, Broken, pause, hey, Broken. Bien joué, bien joué. Hey, Broken, on est d'accord que t'étais juste à la carré là, en oscope, tu m'as full headshot. Ouais, mais t'inquiète, je suis bien, non? Ok. J'ai peur, non? Non, quand tu joues à CS, gros, tu joues l'arme l'autonome. Bah ouais, le mec un peu. Oh là 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 là. Non mais les gars, regardez les constructions. Si t'as ramassé et que tu les as pas utilisés, c'est pas ça, grave. Genre, c'est... Non, ça j'ai fait 3 escaliers après pour aller sur Brooks, abusez pas. Genre. Bon, en tous les cas, Aki top 1. Pour au final me prendre 3 headshots, genre. Waouh! Yannouk top 4, hein, je crois, en plus. Hein. Ouais, en plus avec bruitage, hein, instantané, c'était pas mal. Franchement, Yann, continue. Ce qui était vraiment marrant, les autres étaient tous en train d'insulter Polo. Polo! On a un problème là, on entend le son là! J'entends le son des autres, ça casse les couilles! C'est qui a pris la balle de snipe? Je sais que j'ai mis une balle de snipe à un mec qui mettait des sons. Y'a quelqu'un qui a fait un sale flash cop au corps à corps. Voilà, toujours il se vante. Tu seras bambi, mon cher Mika. Oh numéro 1, t'es skin PC. De base. Moi, si je peux voler un Royal Rumble, je le vole. Moi, je veux pas gagner en fait. Je sais pas pourquoi vous êtes sur mes côtes. Allez, c'est parti. J'ai envie de gagner. Est-ce que tu veux une faille? Le dernier, ça a été malheureusement notre ami Saxy. Donc, ça va être toi au moins qu'on aura la chance de choisir le spawn. Je vous rappelle la règle du Bambi, les kills de Mika comptent double. Donc, attention, hein, si vous êtes face à lui, essayez d'éviter de mourir. Et à l'inverse, si vous le tuez, vous prenez 6 points supplémentaires. C'est énorme. S'il te plaît, Wendy, va pas finir le cas, s'il te plaît. Ouais, mais... c'est exactement ce que je me disais. Si tu veux, Wendy, je te donne le kill, Wendy. Mais pourquoi toi, Wendy? Non, nous, on te connaît. Il y a des gens qui sont sur le stream, ils te connaissent peut-être pas. Mais nous, on te connaît, Wendy. Quoi? Non, mais attends, vous avez genre aucune confiance en moi là? Bisous, bisous. On a commencé à faire. Mais toi, ferme ta bouche. Wendy, calme-toi. On vient octogone qui Wendy. Wendy, calme-toi. Elle est prête à le soulever. Je rappelle le thème de la soirée, certaines amitiés. Saxy, le spawn, Saxy. Moi, je suis allez, ça va. Ah, le bonhomme, le bonhomme. Il est joueur, il est joueur. Un bonhomme, c'est un bonhomme. Les gars, en général, Mika, du coup, il a pas son bâtiment habituel. Quand il est Bambi, il va plus vers les trucs où c'est un peu plus isolé, genre les restaurants. C'est là que j'allais. Ah, bah, du coup, je vais vraiment y aller. Laissez-moi dire une qualité sur Saxy là. Il veut dire du bien de son copain. C'est un mec détaché, pas prise de tête. Et merde. Quoi déjà? Attends, je vais le focus lui, tu vas voir. Oh oui, focus moi, vas-y. Ouais. Donne-moi aller un point à chaque game. Non, parce que le pire, c'est que je vais prendre confiance, tu vois. Je vais dire, à un moment, je vais pas bouger, il y a vraiment un truc. Attention à Saxy, hein, il est pas du tout dans la même mentalité que sur le round numéro 1. Il est très très chaud. Il est où, Saxy? Dans mon cul. Oh, Wendy, ça non, mais c'est relou, putain. C'est relou. Wendy, il y a des enfants qui nous écoutent et tout, c'est vraiment mais possible. Ouais. Vous êtes vraiment des gamins. Wendy, comment tu fais passer la femme derrière, quoi? Y'en a quoi? Mais c'est absolument pas moi. C'est ta bah attends, enfin, genre. Enfin, comment non, tu non, peux... c'est absolument pas moi. Bon, en tout cas, vous êtes 6 hein, et on est sur la POV du Bambi avec Mikalo qui rentre en duel directement. On sait pas comment il rentre qui en duel vers où à peu près. Bah attends, mais c'est quoi ça? Ah, mais il y a les zombies, ah, y a forcément les zombies, ouais. Il est en duel avec un zombie, il a gagné. Non, non, son duel est encore actif non, et c'est un kill de Saxy sur Akicho. GG. Oh, et bah il est venu ramasser Mika. Et ouais,
Saxi, fallait pas me tuer moi. Bien sûr, fallait pas me rien. C'est lui le problème. Ah, qui il est où là, alors, c'est... il est au niveau, tu sais, la maison broken en bas. Ah, attends, attends, y'en a un qui veut pas être la street se venge. Allez, là, c'est hyper concentré. On n'entend pas de Wagby. C'est pour ça que là, je reprends un petit peu la relève. Avec Mikalo. Mikalo qui met des headshots sur les zombies. Il a raison, ça lui fait gagner full shield. Pour l'instant, Yanou mort, Saxi mort, Dwagby mort et Aki mort. Ça vous met trop trop bien en tout cas. Ça met Mikalo très très bien. Mika, toujours il va vivant. La, dans la maison. Mika, il commence mais à attends, mais c'est quoi ça? T'es sérieux, Astrimac, enculé? Tu m'as tué, je te dis des infos à mes potes. Mais c'est, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Rumble... Attends, le Master Kill anti-Mika, le Rumble anti-Mika. Attention parce qu'il reste. Oh waouh! J'allais dire, il reste Gota Guy Broken. C'est bien, Coco! J'avoue, il a bien edit, il se l'a bien mis. Et le duel entre Gotaga et Mikalo, comme d'habitude, j'ai envie de dire, les deux joueurs Vitality en face à face. L'un qui est au sniper, l'autre qui est à la hauteur. Wendy est dans un coin, on sait pas ce qu'elle fait. Mais ça, c'est bon. Absolument pas, je suis vraiment morte. Gota, je te donne pas d'infos, mais il a un spot. Ah, d'accord, ça vient d'être marqué, excuse-moi. Mika Gota. Mika Gota, Gota qui est en haut. Gros, le scope qui a été tenté, mais ça n'a pas touché. Allez, les deux copains qui se sont fait des coups depuis tout à l'heure. Le 1 contre 1. C'est le moment de régler des comptes, les gars, c'est le moment de se régler. Oh, ça édite, ça casse les construits. Tellement smart. La motive, ça part pas. Ah, j'ai depuis tout à l'heure, j'essaie de mettre un toit, bien joué. Franchement, j'avais oublié que c'était ton toit depuis le début. Ça fait 6 points bonus pour Gotaga. Mikalo qui a failli protéger son score. Non, qui par contre, c'est pas cool ce que tu fais. Moi, je t'aurais insulté de tous les noms. Genre, non, en vrai. Mais écoute, c'est ma journée. C'est écoute, ma journée, quand tu m'as dit 63 HP, j'y suis allé en mode de, ah, salut mec. J'ai eu ça comme ça après. Tu t'as ouais, bah oui, comme ça. Saxi, t'as fait un kill. Deux. That's my boy. Yeah. C'est pour Saxi celui-là. Oh là là. C'est quoi? C'était Snipe. Plus 4. Putain, mais je suis pas chez moi. Qu'est-ce que j'anime, moi? Fais-toi plaisir. A ton avis, voilà. Qui est-ce qui manque dans le lobby? Non mais Broky, s'il te plaît, Broken, s'il te plaît, fais un effort. Ouais, c'est pas moi, c'est moi. Non mais c'est pas... C'était pas ça. Attends, pause. Est-ce que quelqu'un peut dire c'était lui? Si vraiment c'était pas lui, s'il vous plaît, sinon on va tous penser que c'était lui. Ouais, s'il vous plaît, parlez, parlez, s'il vous plaît. C'était qui? Bon, pour cette fois, j'avoue, c'était moi. À quel moment il s'est dit bah, putain, personne le pire, moi, quoi. C'est que vraiment, son intonation de voix, c'était en mode mais arrêtez, vous me jugez parce que je suis noir, machin, arrêtez. Oh, c'est trop facile, c'est trop facile. Si je dis pas de bêtises, c'est moi le premier mort dans celle-là. Je pense que c'est moi plutôt. Ah ouais? Ah oui, avec Yanou. Attends, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Yanou dans le chat, mais c'est insane. Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je confirme, c'est moi. Tu as l'honneur de choisir le spawn. On va faire un truc où Gota va être perdu, on va aller sur le bloc. Oh, il y a beaucoup de gens qui vont être perdus. Non, mais t'es au courant que tout le monde là va être perdu. J'avoue que c'est smart. Du coup, c'est l'endroit où ça change tout le temps. Tu l'as fait toi déjà? J'y suis allé une fois, c'est en forme d'insecte. Et... il est horrible. Et voilà. Ah bah apparemment, Wendy aussi. Très smart, très smart, très smart. Oui, très oui, smart. On, a, oui on est allé ensemble. Ok, okay bon, bah écoutez. De toute façon, on, fait, on fait tout à deux avec Wendy. Ah, je suis pas d'accord en fait. Mais Yann, si oh, pardon. T'as dérapé, ouais. Ouais, ouais, j'ai dérapé. Ah non, Yannou, t'aurais pu enchaîner. Allez, concentration. Non, mais non, non, mais je suis dans le spawn. Attendez, venez, on relance parce que j'ai mal spawn. Moi aussi, je suis énervé. Je vous jure, j'ai que des bandages. Moi, je comprends rien, je sais pas où je suis, non. Faites gaffe, hein, parce que Yanou a c'est déjà un kill. Il est chez lui, au bloc. Ah non, je suis pas du tout chez moi, je connais oh, pas. Oh, y'a des radios, tout ça. C'est quoi cette carte? Le doublé de Yann sur Wendy. Et Saxi, son bro qui vient le terminer là où c'était le plus simple. Ah, c'est cool, il m'a tué dans le dos, je kiffe. Et ils sont encore 4, il reste Saxi. Mais je comprends pas où faut aller. Allez, poteau, je te regarde. Allez, Broken, Gotaga et Mikalo. Allez, poteau. Comment on monte ici? Oh ah, wow. J'ai peur. Okay. Avec une AK, mass aim by Gotaga. Ah. Il reste Broken, Mikalo et Gotaga. Faut que c'est un seul truc à faire. En vrai, Broken est très très chaud ce soir. Hein. Enculé de Diane. Enfin, j'ai craché du coup. Il m'a fait peur. Ça l'a perturbé. Je te jure. Bah celle-là je vous la laisse Ah bah non je peux pas m'empêcher. Non, non, il est trop chiant. Je peux pas m'empêcher, c'est un bruit. Fais du bruit, fais du bruit. Ah mais c'était vraiment quelqu'un cette fois-ci. C'est ça qui est beau. Mais depuis tout à l'heure j'entends des construire, je me dis mais qu'est-ce qu'il sait. Mais t'es pas un pote putain de moi. Excuse-moi, on peut être pote genre. Broken qui se planque bien, c'est bon, c'est comme ça qu'on joue. Parce que ton skin. Ah ouais. Bah ouais. Et après je sais pas où les autres. Mais t'as dit on était potes. Bah ouais mais tu peux quand même me viser. On rappelle avec vous deux, c'est Broken. Ah il est en train de me push. Ah il me court dessus, il me court dessus. Bref que Brox il débarque dedans où il vous le cul. Mais ouais mais c'est ça qui me fait peur en fait. Il est où Broky? J'avoue qu'on l'a pas vu quoi. Il est à Pleasant Park. Bien joué Broken. Je vois personne, j'ai tout Pleasant Park. Par contre, il reste combien de temps? 2 minutes. Mika, j'ai plus de ville moi. Bah ouais, mais j'en ai pas tellement, j'en ai 40. Oh là là, le brain entre les deux joueurs qui se connaissent par cœur. Franchement, si j'avais été prêt, j'aurais mis tous les bruits d'armes possibles quoi.
tous. Avec des roquettes. Ah ouais. Non mais clairement. Rocky, tu veux pas sortir de ton trou là, c'est incroyable. Tu sais où il est toi ou pas? Rocky, il arrive. Rocky, il arrive. Mais non, il arrive pas, il est où? Oh la vache, c'était vrai. Sur côté avocat qui était dans le bac. Cette fois-ci, c'était des vraies munitions. Ah mais c'est toi Corentin ça? Et bah tu vas te faire foutre, putain. Ouais, j'avoue que t'as... Ah ouais, non, mais je suis désolé. En général, c'est Mika qui prend des signes comme ça. Mais gros, je bouge pas, soit tu me one-shot, soit tu me tires pas dessus. Oh non, bro. Oh Mika, mais après putain, il a mais Broken, non, je bouge là... pas, mais là dans la tête au moins. Bro, tu sais bien que ça fait une heure qu'il campe derrière toi, quoi. Ouais. Et je te jure, et moi, en plus, tu sais, je voyais te faire tes décales, donc là, j'attendais juste pour décaler. Je bougeais pas, je bougeais pas du tout. Il a loupé sa balle, Kunt. Oh, Gota, il s'est fait sandwich par. Mais c'est pas grave, moi, au pire, qu'il me tue. Vas-y. Mais là, il l'offre à Mika, gratuitement. Alors, attendez, juste. Broken, on est 7, je dis rien. Non, voilà. Non, pas encore. Non, parce que je préfère vous parler, vous voyez. Mais bizarrement, nous on parle tous et on arrive à se mettre 13, c'est ça qui est fort. C'était quoi le défi? PM, moins 2. Ça existe, ça veut dire que si tu tues quelqu'un à la PM, tu marques moins 2 points. Tu peux continuer à jouer, mais tu marques moins 2 points. Merci Yann. Non, mais ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir. Ce qui est marrant, tu vois, Mika, c'est que Yann nous reproche d'être comme ça avec lui. Mais en fait, il fait pareil avec ses copains. Ouais. Mais non, mais ce qui est énorme, et c'est après, que ça existe. Après, il fait la victime avec nous, tu vois. Non, mais le truc, c'est qu'en plus. Je comprends d'où vient le problème. Non mais je me permets parce que Saxi en plus il me mange dans le jeu. Mais vraiment il me mange, en même temps c'est pas très compliqué. Je me permets, on est copains. C'était qui le dernier? C'était moi et on va aller à Pleasant Park messieurs. C'est quoi votre problème avec Tilted genre? Ouais j'aime non pas Tilted, j'aime pas. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Je réserve le bâtiment en niche donc celui qui veut venir il vient. On est d'accord que le motel c'est dans Pleasant hein. Ouais t'as le droit d'aller au château dessus ouais. Si tu veux, tu t'aides aussi, tu peux le shoot, Yannou. Oh, on avait dit pas les failles, les gars. Attends, on va discuter, toi. Je crois que t'as trouvé un copain. C'est pas vrai, Aki. C'est ma vengeance, ça fait deux games quand même. Ils m'ont donné. Non. L'arbalète, mais oui. Bonne chance, Broken. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, moi, je suis bien, venez pas me fight. Oh Yann! Oh monstrueux ce que t'as mis! Non mais en vrai il tape des trucs sales hein Yann. Bah non mais je comprends pas là surtout le... Ah t'inquiète t'as mis moins 23, moins 30... Ouais non mais j'ai vu que t'avais pas... Je fais bon vas-y je me retourne et on va pas voir. Pas un bon pompe. Je viens de le prendre. Je te le conseille pas, il met pas beaucoup de dégâts celui-là. Alors les bruits de zombies c'est pas moi hein, je vous le dis. J'avoue que c'était chiant, il y a même pas de solo. J'suis désolé mon pote. Ah Broky, c'est qui le 8ème? C'est moi le premier mort. Ouais. Ça c'est à qui ça? Jérém. Putain. Ah ouais, non mais ça fait je voulais choisir une ville de mort. Est-ce que t'as Dwag? Dwag contre qui là? Contre toi qui c'est le skin d'Aki. Ouais, oh, je l'ai reconnu. J'ai reconnu ce joueur professionnel. Ça se voit son gameplay, son mouvement, son tout déplacement. Enfin. En plus, il a pas 21 HP quoi. Ah, ça a été un duel équitable. Et il est pas dans la maison niche avec une mini pote qui voit. Pourquoi tu fais ça? Ah, c'est en vengeance des retail. D'accord, ok, il y a quelque chose derrière. On est d'accord, Aki, ça fait 1-1 maintenant. Alors. Oh Yann, très beau gameplay. Les gars, si vous pouvez jouer un peu plus agressif, il reste 2 minutes s'il vous plaît. Ouais, mais. Attends, pourquoi tu dis ça alors que tu te fight pas et tout le monde se fight? Oh l'enculé, il est en train de camper. Ouais, enfin, regarde sa situation aussi, je comprends quoi. Tu veux voir la situation de Coco? Ah, dis-toi ça, je l'ai trouvé parce que quelqu'un l'a laissé, ah, hein, parce cool. que c'est interdit. Hein. Disons que j'ai vraiment loupé mon spawn quoi. J'ai vu toute la vie d'Aki ce qui s'est passé. Ah bah ça a l'air cool, ta game. Hein. Franchement, si Yann marque un round. Yann et Nan! Yes! Mais si Yann marque un round, par contre, Yann a lavé Wendy deux fois déjà. Ce mais soir. Et Pompon Tonkli, bien sûr! Si jamais à qui il arrive vers le mid, il monte sur le toit du mid. Mais pourquoi vous lui faites ça? Mais attends, je suis pas mort, moi j'ai le droit. Je suis pas mort, moi j'ai le droit. Yann, à ta gauche, à ta gauche. T'as tellement pas vu. Il est sur le toit du mid, toi du mid. Au niveau des villas. Yann, on est. Mais par contre, Mika est mort. Bah j'ai le droit d'être le mec qui m'a tué quand même. Je respecte mon adversaire et je trouve que. Il fait du cinéma, il fait du cinéma. Oh. Facile de tuer un mec qui a 17 HP. Hein. Bien joué. Une minute, c'est Gota contre Aki. Aki, si tu perds contre Coco. Ouais. Oh, t'es bête, t'es tué avec 30 balles de PM. Attends. Oh, 17 HP, j'étais à deux doigts. Une balle. Bon, bah, top 2, mérité de ma part. Hein. Oh. Moi, je suis prêt à mettre prêt déjà. Bah, let's go alors, let's go. Oh là là, il y a le trophée. Va falloir jouer avec. Mets-le devant. La petite présentation. Ah, c'est celui que j'ai toujours pas reçu. Pour les 3 défaites de suite. Voilà. Ça, c'est ce qui a gagné ce soir. Merci, Camille. Par contre, attention, on remet tout. Mika, on lui a envoyé. Il n'est pas parti chercher. Non. Toi, t'as perdu 2 trophées. Non, c'est pas quoi. C'est-à-dire qu'ils vont bientôt nous le renvoyer parce qu'il n'est pas parti le chercher encore. Non. On me l'a dit qu'il y a genre 5 jours. Non, normalement, t'as recommandé dans ta boîte aux lettres, mais du coup, 5 étages, t'as pas dû aller chercher, je pense. Attends, c'est impossible, Mika, qu'on t'ait dit il y a 5 jours parce que j'étais là. Vraiment, Camille, ça fait 4 jours que Elise m'a dit d'aller chercher.
Voilà. Impossible, Mika. J'ai voilà. pas le défi, c'est quoi le défi? Non, mais fais-toi engueuler. Non, mais en plus, non, attends, tu vas te mettre Camille à dos. Oh là là, attends, moi tu peux mettre à dos. Camille, mais Cam, c'est chaud quand même. C'est vraiment un peu parce que pour de vrai, demande à Elise, elle m'a prévenu qu'il y a 4 jours qu'il restait. Non, Aki vient de dire que c'est pas vrai. Aki était là quand tu l'as prévenu. Mika, j'étais là le jour. Mais non, mais je devais demander à Elise. Tu t'avais pas été le chercher. Aki, arrête, Aki, arrête. Il est dans la merde. Non, mais là, il se fait embrouiller de ouf. Non, allez, si jamais ça se passe. Là, il se fait embrouiller par Camille. Mais c'est un bon cul. Attends, mais ce qui fait que le truc. Du coup, attends, c'est quoi la roulette? Mais ce qui fait que le trophée il était où? C'était allé te faire foutre. Oh putain. Du coup, c'est les pistolets 3-3. Paradise. Ah, mais vas-y, ça met des pièges. Allez. Toi aussi, t'as entendu un mec qui mettait des pièges? Si tu l'as entendu aussi, c'est pas bon. Du coup, je suis grave loin du mec là. Non, non, j'ai dit ce soir, je suis en mode street. J'arrive, je te rush. Ouh, y'a quelqu'un qui a pris une sale balle là, pas loin de moi. Parme un peu. Je suis désolé, gros. J'ai mis le piège, ça a pas marché, putain. Ah, je meurs contre toi, quoi. Ah, j'ai fait le con. J'aurais dû le mettre avant d'essayer de péter le. J'ai pensé qu'après. Ah, tu m'aurais démonté, hein. J'aurais pas dû. Yep, j'ai fait le con. GG. Par contre. Non, coup... Mika. Oh, il a pris une fight. Oh, c'est un gamin. Ça va, t'as combien de roquettes, mais toi, ça passe à côté. Hein. Encore 17 dans le stock. Mais bah, t'as combien de roquettes, toi, dans ton lance-grenade, en fait? Il me reste 17 là. Tu veux vraiment, j'ai full roquette, gros. Je peux continuer? Ouais, bah continue. Je vais aller sur d'autres personnes, je vais la chanter. Je suis énorme sur WD. Attends, Mika, c'est les bien dual, ce que je crois là. Dual gun, ça marche? Tu viens de regarder mon écran là, Mika. Non, je regardais mon retour, no joke. Ah, ok, j'ai eu trop peur, j'ai vu un décalage de tête. Je triche pas. Oh là là, belle celle-là. Elle est belle, je t'ai baisé, petite merde! Mais en fait, toi, par contre, toi, t'as aucune raison de camper. T'as aucune raison de camper, toi. Bah, je sais pas, y'a lui là en face, mais j'avoue. Y'a un deagle sur moi. Oh, putain, regarde derrière toi, ça t'a tiré dessus derrière toi. Putain, ah non! Oh non, mais ça va être lui qui va gagner, c'est sûr! Non. Ouais, mais tu peux pas, tu as signé un contrat qui te permet d'être payé pour jouer aux jeux vidéo. Donc, du coup, forcément. Dernier bonus, c'est vrai qu'il va être important. Parce que si c'est un Bambi, tout peut être relancé. On va voir si ça tombe dessus, est-ce que ça tombe sur autre chose. Aïe! Pas de coffre? Pas le droit d'ouvrir les coffres. Alors, ça existe, okay. Ça veut dire qu'on a pas le droit d'ouvrir les coffres. C'est déjà le round 6, hein. c'est déjà le dernier. Qu'est-ce qui coule là? C'est quota. Je te regarde dans les yeux, les Ealings. Ok. Hein les Ealings? Putain, déjà. Bâtard. C'est où? Oh non, putain. Oh, oh bâtard! Oh, ça perdu ça! Ah, moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Hein. Il a sauté aussi. Les gars, rappelez-vous, c'est sans coffre. Oh non, c'est terriblement dur! Aïe aïe aïe. Oh, bien joué à toi, Coco. Oh, le petit pompe, vous êtes deux dessus. Allez, HF. Attends, tu sors d'une arme tout toi? Bah attends, viens discute, s'il te plaît, viens on parle. Oh, j'ai eu peur que tu... Ouais, ah, j'ai failli. GG Kevin, c'est dommage hein, parce que le piège était bien hein. Ouais, il était vraiment bien. Ah dommage. Il a mis trop de temps à se décrocher. Oh, Kotaga qui vient d'éliminer Wendy. Laisse-moi tranquille. Ça va, c'est Wendy. Attends, par contre, t'avais pris des damage avant Wendy, non? Avant? T'avais pris des damage avant le contre-fight? Non, pas du tout. Yes! Yes! Ça existe, tiens, mange! Kotaga qui est monstrueux pour le moment dans ce round. Il a 3 kills. Il peut peut-être gagner ce Royal Rumble sur Imperfect. Il va aller chercher le 4ème en tout cas s'il y en a un qui campe pas. Sur ce round là, c'est bien lui! Mais il se fait backstab! Par Mikalo! Alors qu'il était en duel, il a mis les dégâts aux deux joueurs. Donc là, les deux sont très très low. Devant, il est low. Ça va se jouer à rien entre Mikalo et Broken. Oh! Et Broken! Oh, est-ce que tu veux vous voyez ce que vous venez de vivre là entre Kotaga, Broken et Mikalo? C'est ce que vous allez vivre vendredi. Vendredi, vous allez vivre ça. Les deux, je vous ai mis une sale balle de pompe. Je suis fait tuer par le winner de la game. Moi, je suis très content. Ah, j'ai hâte d'être vendredi. Enfin, tout est joué avant table de classement. On va découvrir ça dans quelques instants. On va démarrer avec la 8ème position. Dernier, c'est dur de commencer dernier. Mais c'est pas ce que tu dis, genre. Bah, quand même, quoi. Mon rêve, c'est que ce soit Wendy. Je serais comme ça. Oh, ma drogue. Oh non, c'est pas bon. Bon, ça va, il y a deux derniers. Avec le même nombre de points. Ah bah ça va alors. Ah bah ouais. Wendy, ce serait peut-être pas super bon ça. Ce serait pas super bon. Avec 23 points, les derniers de ce Royal Rumble sont Wendy et moi-même. Oh non, aïe aïe aïe. Attends. Non. Ouais. Je suis désolé, j'ai tout dit. Pause.
T'es passé de gagnant à dernier. Ah oui, parce qu'il c'est lui qui a gagné le dernier. Mais vous vous rendez pas compte. Ah ouais, non, là c'est grave. Mais demain je vais à l'hôpital parce que je pense qu'à cause de cette personne en face, j'ai des séquelles. Ouais, il entend encore des bruits de pompe. Moi, j'ai mais attends, tout le monde est en mode. Il a level up, il a machin. Le mec qui fait un master key, il se prend 4 pièges d'affilée. Il enchaîne sur un Royal Rumble. Il finit dernier alors que c'est full animateur. Pas bien. Ah, non, 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 non. Là, il... c'est... Attends, en fait, c'est les bruits. Mais en février. Mais est-ce que là, enfin, tu vois, je fais rien là. Est-ce que t'en entends encore ou pas? C'est ouf. J'ai été dégueulasse. Et Wendy, par contre, aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Mais moi j'ai pas envie de. On passe à autre chose. Ah. Tu devais pas régler Aki en 1v1 toi par hasard? Ouais, c'est vrai. Par contre, je l'ai tué Aki, hein, donc je pense que j'ai gagné. Ouais, Gamma une fois. T'es énorme! Oh non! T'es énorme! Tout simplement. C'est-à-dire que son seul kill c'est sur Aki? Ouais! Exactement ça! Elle a qu'un kill! Il a tellement capté ce qui s'était passé. Oh putain, on enchaîne avec la 6ème position. 3 points de plus avec 26 points. C'était sa première ici. Avec nous, c'est nul autre que Saxi. Très très fort, ouais. Très très fort. Parce que lui s'est dit, c'est la première fois que je suis là physiquement, c'est moi. Ouais, j'ai foiré deux spawns là, j'ai fini deux fois dernier. C'est-à-dire que t'es devant Yannou. Mais t'es devant Yannou. C'est-à-dire que t'as le droit à deux semaines de chambrage gratuit. Ça veut dire que j'ai encore battu Saxi, tu veux dire. Au-dessus de Saxi, à 2 points de plus, 28 points, 5ème position. Donc, cette fois-ci, il le sait, c'est bien lui, c'est Yannou qui est avec nous, qui a mis le feu ce soir. C'est dommage parce que j'ai joué le jeu, hein. Mais je pensais pas tuer autant de fois Wendy. Quatrième position, 34 points. Donc là, ça commence à devenir du très sérieux. On l'attendait peut-être un peu meilleur que ça, mais il a quand même été très impressionnant. On l'attend aussi vendredi à son meilleur niveau parce qu'il fait partie des favoris selon Gotaga. C'est Akicho qui s'est fait buter par Wendy. Ça pouvait être n'importe qui. Ouais, ça pouvait être. Les 4 derniers, c'était les 4 du truc. Comment t'as vécu ce petit Royal Rumble? C'est la reprise, c'est la saison 3. Un petit mot et d'ailleurs, merci d'avoir été avec nous ce soir, Akicho. Ouais, c'était lourd. Pose ton téléphone. Entraîne-toi pour il est vendredi, en train de parler à plein de femmes. Me là, fais pas ça vendredi devant tout le monde aussi. Mais tu me fais paniquer de dingue. Ta phrase a été longue et longue. Mais t'es chez toi là. Tu peux pas paniquer chez toi. On enchaîne avec la 3ème position. Vous le savez, il reste Broken, il reste Mika, il reste Gotaga. 3ème position avec 42 points. Le 2ème à 52 points. Le premier à 55 points. Comme on vous a dit, tout ça se jouait sur la dernière. Oh là là, si cette balle de pompe t'avait one shot, peut-être que. 3ème, c'est quand même une très belle prestation. C'est Brocky Brooks qui fait ce score là, c'est beau. Il reste le deuxième, il reste le premier, il reste l'image pour vous permettre de découvrir le vainqueur de ce soir. Ça se joue entre Gota et Mika comme très souvent quand on fait cette soirée un petit peu entre nous. L'affiche. Mika, oh, 55 en fait, parce que c'est la dernière parce que si tu comme tu en gros, non, mais même tu si perds tu... 2 points, il en gagne 2. Ouais, c'est ça. Si tu as le même nombre de kills, 3 points. Ah, il a 10 kills. Oh, bien joué. Ça avait été monstrueux, mais Mikalo, encore une fois, trop fort. Et du coup, ce trophée qui est en plus déjà sur ton bureau, quoi. C'est dingue. Et j'allais chercher les deux. Mais celui-là, tu le prends direct, on te l'envoie pas. Et puis nous, on fait une blague, on lui envoie quand même par chrono. Genre, t'as pas le droit de le prendre, on te l'envoie, on voit si t'arrives à le récup. 3 Royal Rumble, mec. Franchement, c'était un super Royal Rumble. Merci à vous, les gars. Et ça démarre la saison en folie. Je vous rappelle que le prochain Royal Rumble que vous verrez, ça sera le premier spécial pro. On va essayer de réunir 12 clubs e-sport pour envoyer un joueur. Et ils vont s'affronter dans les règles de l'art. Et on aura peut-être un club qui ressortira du lot. Grâce à la victoire, ça sera ça dans le prochain épisode. Wendy, on monte une structure et on y va direct. Hein. Je te dis direct. Hein. C'est parti. Ça marche.